Que Déborah appartient à telle famille, à telle parole. Oui, regarde, Jésus m'a remis le lien. Jésus m'a remis l'alliance. Et par le nom de Jésus, le lien de famille qui la lie à ses parents, je saisis le lien et je déchire. Au nom de Jésus. Je déchire. Au nom de Jésus. Je déchire. Au nom de Jésus. Je les révoque. Au nom de Jésus. Je l'annule. Au nom de Jésus. Je les révoque. Au nom de Jésus. Je l'annule. Au nom de Jésus. Voilà. Tout le lien de sang qui la lie à ses parents, lien de sang qui la lie à sa famille, Jésus m'a remis le lien de sang. Par le nom de Jésus, je saisis le lien de sang et je déchire maintenant. J'annule maintenant. Je révoque maintenant. Et je prononce la rupture totale entre elle et sa famille. À partir d'aujourd'hui, elle n'est plus de cette famille. Elle appartient à la famille de Jésus-Christ. Elle est désormais de la famille de Jésus-Christ. Elle est de la famille de Jésus. Répète. Répète. Elle est de la famille de Jésus-Christ. Répète. Est-ce que tu as compris? Est-ce que tu as compris? Exécution. Est-ce que tu as compris? Voilà. Maintenant, quelles sont les alliances que tu as faites dans sa vie? Quelles sont les alliances que tu as faites dans sa vie? Elle doit nous adorer. Elle doit vous adorer. Voilà. Elle a fui. Voilà. Regarde. Tout le décret qui stipule qu'elle doit vous adorer, qu'elle doit t'adorer. Toi, esprit Léviathan. Léviathan le méchant. Léviathan l'orgueilleux. Léviathan le destructeur. Tout décret qui stipule que Déborah doit vous adorer. Jésus m'a remis le décret. Le décret que sa famille a signé là. Jésus m'a remis ce décret. Et par le nom de Jésus, je déchire le décret. Au nom de Jésus-Christ. Je déchire le décret. Je tirerai au nom de Jésus-Christ. Je révoque le décret. Révoquez au nom de Jésus-Christ. J'annule le décret. Au nom de Jésus-Christ. Je prononce la rupture totale. Au nom de Jésus-Christ. J'envoie ce décret dans le feu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Quelle autre alliance? Et quel autre décret tu as signé sur sa vie? Tu parles bien. Parle au nom de Jésus. Quel autre décret tu as signé dans sa vie? Quelle autre alliance que tu as fait dans sa vie? Tu parles. Maladie. D'accord. Regarde. Toute sa femme. D'accord. Regarde le décret de maladie que tu as signé sur sa vie, sur sa famille. Jésus m'a remis le décret de maladie. Et par le nom de Jésus, je saisis le décret que je déchire. Au nom de Jésus-Christ. Je déchire. Je révoque. J'annule maintenant. Au nom de Jésus-Christ. À partir d'aujourd'hui, elle ne tombera plus jamais malade. Au nom de Jésus-Christ. Elle ne tombera plus jamais malade. Jamais au nom de Jésus. Est-ce que tu as compris? Tu as compris. Quelle autre alliance que tu as sur ça? Quel autre décret? Parle vite, on n'a pas ton temps à perdre ici. Quelle autre alliance? Quel autre décret tu as signé sur sa vie? Parle Jésus! Parle vite. Tu l'as? Séduction. D'accord. Tu as mis la séduction en elle. Regarde, le décret de séduction que tu as mis en elle pour faire tomber les hommes, par le nom de Jésus, je saisis le décret de séduction que je déchire maintenant. Au nom de Jésus, je déchire maintenant. Au nom de Jésus, je déchire maintenant. Au nom de Jésus, je révoque. Maintenant, tu prends ta main, tu enlèves le voile de séduction. Enlève, 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 enlève. Vite,
Sinon, tu obéis au nom de Jésus. Je t'exécute. Tu obéis au nom de Jésus. Vite. Tu obéis au nom de Jésus. Vite. Lève le voile de séduction. Enlève. Lève le voile de séduction. Enlève le voile. Jette dans les abîmes. Enlève le voile. Enlève le voile de séduction. Enlève. Toutes tes marques de séduction. Tu enlèves tout. Enlève tout. Jette dans les abîmes. Toutes les marques de séduction. Toutes les marques de séduction que tu as mis sur elle. Tu enlèves tout. Tu enlèves tout. Tu jettes tout dans les abîmes. Faut pas les jeter ici. Vite. Au nom de Jésus. Plus vite. Nazareth. Tu jettes tout dans les abîmes. Voilà. Tu jettes tout. Toutes les marques de séduction sur son corps. Tu jettes tout. Jette tout dans les abîmes. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Tu jettes tout. Jette tout dans les abîmes. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Jette tout. Voilà. Quelles sont les maladies que tu as mises dans son corps? Tu parles au nom de Jésus Christ. Tu es dans le palais de roi de gloire. Enlève le diabète. Obéis. Tu obéis à ce Christ au nom de Jésus. Enlève. Tu obéis. Enlève le diabète. Enlève sa vite. N'est plus jamais diabète. Le décret de diabète est déchiré à la croix de Golgotha. Jette ça dans les abîmes. Nom de Jésus. Enlève tout. Nom de Jésus Christ de Nazareth. Du sang de Jésus. Je ramasse tout et achète. Jette dans les âmes. Au nom de Jésus Christ. Tout ce qui est diabète, toute semence de diabète, toute gemme de diabète dans son corps. Et achète tout dans les âmes. Jette. Au nom de Jésus Christ de Nazareth. Jette tout dans les âmes. Au nom de Jésus-Christ, le Dieu de toute chair, le Dieu de toute âme, le Dieu de tout esprit, le Dieu qui règne d'éternité en éternité. Jette tout dans les abîmes. Ramasse tout. Jette dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. C'est qu'est-ce que tu as mis dans son ventre? Qu'est-ce que tu as mis dans son ventre? Tu parles au nom de Jésus. Serpent. D'accord. Donc c'est toi-même qui es logé dans son ventre. D'accord. Tu sais que tes secondes sont comptées, non? Hein? Est-ce que tu sais que tes secondes sont comptées dans son ventre? Est-ce que tu sais? Tu parles. Réponds. Vomis tes venins. Ya. Il y a du feu dans ton ventre. Vomis tes venins. Vomis tout. Vomis tes venins. Vomis. Tu as vomi au nom de Jésus. Vomis tous les venins. Ton venin dans son corps, dans son ventre là. Vomis tout. Oh. Allez. Vomis tout. Vomis. Vomis tout, vite! On n'a pas ton temps à perdre avec ici. Vomis tout. Vomis tout. Vomis toutes les semences. La main de Jésus dans ton ventre. La main de Jésus dans ton ventre. Reste au ventre. Vomis la semence au nom de Jésus. Voilà. Maintenant, quelles sont les alliances que tu as encore faites? Quelles sont les alliances? Tous les filles. Tu vas faire l'enfant que des garçons.
que des garçons. D'accord. Tu as changé le plan de Dieu. D'accord. Remets les enfants, les choses là. Les filles, voilà. Remets, c'est tout ce que tu as voulu. Râlez. Eh, mets les tasses à toi. Mets les tasses à toi. Aïe. Mets les tasses à toi. Râlez. Dépose dans ses entrailles. Par le nom de Jésus-Christ. Je scelle maintenant ses entrailles dans le sang de Jésus. Et je vous proclame maintenant qu'elle fera des enfants, des filles, des garçons, des filles, des garçons, selon son désir, selon ce qu'elle demande à Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu as construit dans sa vie? Quelle alliance tu as construit ici dans sa vie? Ici, on dit tout. Pas vite! Je l'ai provoqué. Oui. Et alors? Les accouchements difficiles. D'accord. On l'a opéré deux fois. D'accord. Ok. Enlève l'envoûtement. Enlève l'envoûtement. Enlève l'envoûtement. Enlève. Enlève l'envoûtement. Enlève l'envoûtement. Il la pousse à la cérébrale. Enlève. Enlève l'envoûtement. Enlève vite. Tu obéis. Vite, ne pas chez toi ici, fais vite. Hein. Tu es en l'air, fais vite. Non, Jésus, je t'en prie, Jésus. Bois d'autre. Bois d'autre. J'ai cru qu'elle ne réussit jamais à rien. Quoi? Tout ce qu'elle veut. Hein? J'ai tout fait. Tu as tout fermé. Le blocage. Et débloque tout ce que tu as fait. Débloque. Au nom de Jésus. Tu obéis, tu la débloques au nom de Jésus-Christ. Je casse ta tête. Fais vite. C'est quoi ça là? C'est quoi ça là? Ya, c'est tout. C'est quoi ça là? Qu'est-ce que tu es en train de faire? Qu'est-ce que tu es en train de débloquer là? Hein? Qu'est-ce que tu débloques ici? Parle! Parle au nom de Jésus! Aya, enlève tout. Enlève tout. Pour bloquer ses finances. Aya, enlève tout. Tous les blocages de ses finances. Enlève tout. Jette tout dans les abîmes. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout dans les amis, au nom de Jésus-Christ. Jésus-Christ est le lion de la tribu de Juda, le roi des rois, alléluia, le seigneur des seigneurs, alléluia, devant qui tout genou fléchit au ciel, si, sur la terre et dans le sous-sol, et toute langue confesse que Jésus-Christ est Dieu. Est-ce que tu as compris? Hein? Maintenant, qu'est-ce que tu as encore détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as encore détruit dans sa vie? Pas au nom de Jésus. Je l'ai fait tomber. Tu l'as fait tomber comment? Dans l'adultère? Je l'ai poussé. Hein, tu l'as poussé. Elle a eu mal au dos. Elle a eu mal au dos. Enlève le mal de dos là. Enlève ça. Enlève ton mal de dos. Enlève. Enlève le nom de Jésus. Une fois pour toujours. Enlève. Vite, jette là, les amis. Au nom de Jésus-Christ, qu'est-ce que tu as encore fait? Qu'est-ce que tu as encore fait? Parle de Jésus! Qu'est-ce que tu as semé dans son cœur? Qu'est-ce que tu as encore semé? Qu'est-ce que tu as semé dans son cœur? Qu'est-ce que tu as semé dans son cœur? Allez, enlève ça. Enlève ça. Enlève au nom de Jésus! Tu arraches au nom de Jésus. Enlève ça. Enlève ça vite.
Amen. Ça fixe. Le Saint-Esprit est à Dieu. J'ai dans les habits. Qu'est-ce que tu as consumé dans son cœur? Qu'est-ce que tu as consumé? La jalousie. Enlève la jalousie. Enlève la jalousie. Ça marche. Enlève, 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 enlève. Enlève la jalousie. Jette! Qu'est-ce que tu as consumé? Qu'est-ce que tu as consumé? L'amour de ses enfants, elle n'a pas l'amour pour ses enfants. Voilà. D'accord. Et enlève. Et pour son mari. Voilà. Enlève la haine. Elle est la haine qui te désamoure. Au nom de Jésus. Enlève. Et tu le fais sous le contrôle du Saint-Esprit. Enlève, enlève, enlève. Piti, piti, piti. Au nom de Jésus, jette dans les abysses. Au nom de Jésus-Christ. Tu jettes tout ça dans les abysses. Tu jettes tout ça, tout. La haine, le désamour, la méchanceté, la rage. Enlève vite, oh, au nom de Jésus. Enlève dans les abysses. Au nom de Jésus. J'ai quitté dans les abysses. Qu'est-ce que tu as encore détruit dans sa vie? Qu'est-ce que tu as encore détruit dans sa vie? La Bible déclare que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Tu as détruit quoi encore dans sa vie? Rends-lui au nom de Jésus. Rends-lui. Ah. Tu le fasses sous le contrôle du Saint-Esprit. Car à toi si tu mens. Car à toi si tu mens. Rends-lui. Il pose sur son front. Rends-lui. Je fais ta vie de prière dans le sang de Jésus-Christ. Je le fais couvrir par le feu de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce que tu as encore voulu? Cet don spirituel. Oui. Yeah. Ça, don de vision, don de révélation, don de songe, tu le rends tout. Béa. Dépose. Pete. Je sers cet don spirituel, son don de vision, don de révélation, don de songe. Tant de prophéties, je sers tout dans le sang de Jésus. Je le fais couvrir par le feu devant au nom de Jésus. Rends-lui son zèle de méditation. Rends-lui ça. Vite. Rends-lui. Dépose. Je sers son zèle. De méditation, de jeûne, de prière, tout dans le sang de Jésus. Nous fait couvrir par le feu de foi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce que tu n'as pas rendu? Sa foi, il a rendu sa foi. Dans lui, son don de foi. Tu le fais sur le contrôle cet esprit. Son don de foi. Fais sous le contrôle de cet esprit. Son don de foi. Car à toi, si tu mens, la chicot sera au contrôle. Je sers son don de foi dans le sang de Jésus-Christ. Je vais mourir par le feu de ton nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as encore voulu? Je sais que tu voles trop de choses. Qu'est-ce que tu as encore voulu? Rends-lui, Seigneur.
Calme. Calme, c'est vrai. Ah. Te pose. Je sais, c'est vrai, dans le sang de Jésus, je le fais couvrir par le feu des bras. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où tu as mis son âme? Où tu as mis son âme? Où est son âme? Dans le nom de Jésus. Dans le tombeau. Où? Dans quel pays? Là où elle a grandi. Là où elle a grandi. D'accord. Ok. Maintenant, je te donne 3 secondes. Tu vas courir de toute ta force pour aller dans son village, dans la cour. Et tu vas aller creuser la tombe dans laquelle tu as enterré son âme. Là. Tu vas t'enterrer. Tu mets son âme dans son corps. Tu as 3 secondes pour le faire. Sinon, tu es mort. Vite. On va briser ta tête. Vite. Yeah. Creuse bien. Obey. Casse. Je connais son âme. Hein. Faut pas essayer de me tromper. C'est son âme, ça. Tiens, suis comme c'est son âme. Et elle dépose dans son enveloppe corporelle. Dépose dans son corps. Dépose! Au nom de Jésus. Je scelle son âme dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus. Et je déclare que son âme est complètement libérée. Au nom de Jésus. De toute chaîne. De toute chaîne de famille. La chaîne de Jésus. La sortie de la terre. La chaîne tombe en même temps. Complètement restaurée. Au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as fait? Et son étoile. Son étoile est où? Dans l'hôtel de sa femme. Tu sais ce que tu vas faire. Et là, tu confuses. S'il faut prendre l'avion ou bateau, fusée ou tu cours de toute ta force. Va chercher son étoile. Vite, brisez la zone de l'hôtel. Tu vas briser l'hôtel sur laquelle son étoile est cachée. Brisez l'hôtel. Brisez l'hôtel, que l'hôtel soit fracassé. L'hôtel de famille soit fracassé. Brise. Tu le fasses, toi, contre le Saint-Esprit. Il y a un puissant qui est derrière. Reçois la paix de chiffre. Paix de chiffre. Bon. Paix de vie. Bah. Ça, c'est quoi ça? Aïe, dépose. Là, l'étoile glorieuse. Brilliant. Dépose son étoile. Dépose. Il scelle son étoile dans le sang de Jésus. Je ne fais couvrir pas le feu du vent au nom de Jésus. Vous voulez qu'elle nous combatte? Son étoile est go. Une étoile glorieuse. Elle vous a échappé. Son étoile est couverte de feu. Son étoile est couverte par le sang de Jésus. Elle nous combattait avec ses feux. Oui. Les boules de feu. Elle va vous combattre encore. La sauce augmente au nom de Jésus. Elle a perdu. Qu'est-ce que tu as fait? Sa destinée est où? Je réponds vite. Dans l'eau. Et à... Faut nager. Pour aller me chercher ça. Nager. Ah, c'est comme ça qu'on nage.
Tu fais vite. Bien nager. Va dans le profond. Bien plongé. Bien plongé. Vite. Tu es face au contrôle cet esprit. Calme-toi si tu mens. Calme-toi si tu mens. Voir la colonne de l'éternel. Maintenant, regarde, dépose. Dépose. Je scelle sa destinée dans le sang de Jésus. Au nom de Jésus, je n'oublie pas le feu qui vous rend. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu l'as marié, non? Oui. Alors, rien de mariage. Enlève la bague. Enlève la bague de mariage. Arrache. Enlève ça. Il y en a. Enlève tout les bagues. Ne saute pas les doigts. Enlève un à un. Jette, enlève Sabine. Enlève tout. Enlève tout. Jette tout dans les habits. J'ai tout dans les habits, au nom de Jésus-Christ. J'ai tout dans les habits. Les chaînes, au cou, aux mains. Tout dans les habits. Aux reins. Enlève les chaînes à son cou. Enlève les chaînes que tu as mis à son. Le maquillage, le voile de mariage, la robe de mariage. Tu vas tout déchirer. Tout. La robe, la chaîne, plus l'air. Dans les habits. Aurin, t'appelles Aurin, tu enlèves tout. Enlève tout, les gourmettes, tout. Dans les habits. Jésus-Christ est Dieu. Sous le commandement du Saint-Esprit, enlève tout, les belles oreilles. Sous le commandement du Saint-Esprit. Au pied. Et les pieds. Enlève la robe de mariée et le voile. Enlève tout, hein, vite. Déchire la robe. Le voile. Maintenant, tu vas faire combien d'enfants? Combien d'enfants tu as fait avec elle? Combien d'enfants? Il y en a deux. Deux. Le premier s'appelle comment? Nébil. Le deuxième s'appelle comment? Aziza. Vous voyez. Voilà. D'accord. Ils sont où actuellement? Dans l'eau. Voilà. D'accord. Ok. Voici le certificat de mariage qui te lie à elle. Jésus m'a remis ce certificat. Et par le nom de Jésus, je déchire le certificat de mariage. Au nom de Jésus! Je déchire le certificat. Et je prononce le divorce entre vous. Je prononce le divorce entre vous. Divorce. Et je déchire. Non, elle n'est plus la mère. Elle n'est plus la mère. J'ai déchiré. Le lien de maternité est déchiré. Le lien de maternité est déchiré. Non, j'étais dans les habits. Maintenant, je saisis
le premier enfant, n'a pas le nom de Jésus. Je saisis l'épée à ton cœur et je le garde. Au nom de Jésus. Je le garde. Je le gorge, je le gorge, je le gorge, je le gorge, je te fais manger sa chair, tu manges sa chair, tu manges sa chair, tu manges sa chair, tu bois son sang, tu bois son sang, tu bois son sang, tu bois son sang, tu bois son sang. Au nom de Jésus, je saisis Azusa, je saisis Azusa. Maintenant, on va conclure ma chute. Voilà. On va conclure ma chute. Tu vas dire tout ce qui reste que tu as mis dans son corps, tout ce qui t'empêche de partir. Tu vas dire tout. Et nous allons laisser toi assis à toi. Il n'y a pas de. Parle pas, on va le tuer. Caméra. Voilà. Où est-ce que tu as mis? Dans ses yeux. Dans ses yeux. D'accord. Voilà. Quel est le rôle de cette caméra? Et quel est le rôle de la caméra? C'est pour la contrôler. D'accord. Et après la caméra. Quoi d'autre? Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu contrôles encore dans sa vie? Cette pensée. D'accord. Tu injectes des choses négatives dans sa pensée, c'est ça? D'accord. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu contrôles encore dans sa vie? Quoi d'autre? Hein? C'est comme ça là. Ok. On va finir d'abord avec ça. N'oublie pas que je garde mon enfant. Hein. Si tu ne dis pas, tenis pas les cours au nom de Jésus, tu ne dis pas tout là. Je vais le couper en morceaux, un à un. Et chaque fois que je coupe un morceau, je mets dans ta bouche. D'accord. Voilà, la caméra que tu as mis sur ses yeux, je saisis le marteau du Saint-Esprit. Je casse la caméra au nom de Jésus. Je casse la caméra. 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 J'arrache. Je jette. Voilà. Regarde. Ce que tu as mis dans sa porte, par le nom de Jésus, je saisis le marteau. Et je détruis maintenant le nom de Jésus. Je détruis maintenant le nom de Jésus. Je détruis maintenant le nom de Jésus. Je détruis le nom de Jésus. Les mauvaises semences que tu as mis dans sa pensée. J'arrache, je ramasse tout et je jette dans les salles. Et je couvre son intelligence, sa pensée, sa tête, par le sang de Jésus-Christ, de Nazareth. Maintenant, il reste une dernière chose. Si tu n'as pas dit, si tu ne dis pas, je vais couper la tête de ton enfant. Je vais couper les yeux de Tu vas voir son sang couler. Je vais faire couler son sang sur toi. Voilà. Il reste une dernière chose que tu n'as pas encore dit. Si tu n'as pas dit, je vais égorger ton Aziza. Moi je prépare déjà ma flèche. Je vais les battre. Regarde. Tu vois bien? Tu vois? Qu'est-ce que tu contrôles encore dans ta vie? Qu'est-ce que tu contrôles encore dans ta vie? Je lui ai mis la peur. Tu as mis la peur, mais voilà. Enlève la peur. Enlève la peur de son cœur. Enlève de son cœur, de sa pensée, tout. Enlève la peur d'elle. Tu ne fais son contre cet esprit. Enlève ça. Et toi, si tu mens, tu vas rencontrer la colère de l'Éternel. Retire-la! Jette! Maintenant, qu'est-ce qui reste? Est-ce que tu vas sortir? Est-ce que tu vas sortir? C'est ça. Tu sors pour ça, pour les cojons, dont tu seras. Est-ce que tu vas sortir? Viens pour les cojons. Regarde, sort. Sortir, sort.
Je te tire par la bouche. Sors. Je te tire par la bouche. Ouvre ta bouche et sors. Sors, tu n'es pas sorti. Sors.
La puissance du Saint-Esprit. La puissance du Saint-Esprit. Sors sa sortie. Je force. Je déclare maintenant. Voilà. Le lion de la tribu de Juda descend maintenant. Je te dévore. La parole déclare, c'est pour la liberté de Christ dans la France. Tandis le Viata là, c'est seulement le Viata, Python. La semence sort. Tu vomis toute ta semence. Tu la vomis. J'entends maintenant que le catapulte du Saint-Esprit Le moment est venu. L'heure a sonné. Pour que tu libères ce gars. Sortez. Libère.
Au nom de Jésus, 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 au n